Salut les petits potes. Comment ça va? Moi je suis avec ma maman. Ah bonjour. Ça va maman? Ça va. Bien, super. Elle m'a déposé à ce qu'on appelle l'aéroport. C'est un endroit où des avions décollent et atterrissent par la même occasion. Je pars pour la Réunion parce que là, c'est pas possible le temps là. Tel que tu peux le voir, moi j'ai dit je quitte le lieu immédiatement. Hein. Donc je suis 3 heures en avance parce que pourquoi pas, tu vois, il faut être prudent. Nous allons à la rencontre de Nico. C'est son prénom. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un abonné qui va m'accueillir à la Réunion. C'est pas rien quand même. Hein. Le mec m'a dit écoute frangin, viens. Moi j'ai dit d'accord, t'es où? À Réunion, j'arrive, tu vois, y'a pas de soucis. C'est comme ça que ça se produit dans la vlog live, tu connais. Mais toujours, ouais. Très très grosse grimace de très très près. Et c'est pas beau. Ouais, mais c'est la moitié de mon humour. Hein. C'est les dents bien jaunes en plus. On me l'a dit, hein. Les gens m'ont dit, c'est le retour des dents jaunes. Sympa les mecs, super sympa. Tu as peut-être remarqué que je porte exactement le même t-shirt que dans le vlog précédent, hein. Parce que oui, je fais 2 vlogs par jour, hein. Qui fait ça? Personne, il n'y a que moi. Que le blouson au sommet, c'est pas rien, c'est parce que j'ai pas eu le choix, à vrai dire. Mon organisation vlogienne a été perturbée. Et comme... vlogienne, c'est un mot. Et comme là, je vais prendre l'avion pendant 11 heures. 11 heures, c'est beaucoup d'heures, hein, si tu ne le savais pas. Eh bien, je suis obligé de m'organiser différemment pour le vlog, tu comprends. On ne peut pas poster des vlogs quand on est à des kilomètres dans le ciel. Ce n'est pas possible. Tu sais tout désormais. Allons-y. Je suis en train de publier la vidéo d'hier, enfin d'aujourd'hui pour vous. Enfin, non. C'est vraiment no joke, la everyday life comme ça. C'est bon, c'est en ligne. Allez donc mettre un like si vous ne l'avez pas vu. Comme prévu, je suis sur le tapis roulant le plus lent du monde. Non mais sérieusement, je veux dire, j'irai plus vite en rampant à côté quoi. Oh. Frangin, j'ai pris peur comme Jaja au portique des sécurités. Le mec me dit c'est quoi ça? C'est mon drone frangin, qu'est-ce qu'il te prend? Dis je suis pas ton frère, les mains en l'air. Non j'exagère. Le gars commence à me tenir la jambe et tout, il me dit ça va à combien ça? Test, altitude et tout. Alors moi je commence à me méfier, tu vois, je me dis ok je vais diminuer les capacités de mon drone, comme ça c'est moins impressionnant. J'ai dit on ne sait pas, peut-être que si ça va à plus de 200 mètres c'est interdit, tu vois, on ne sait pas. Et donc je dis non ça va pas très haut machin. Et le mec il commence à avoir l'air déçu. On discute, il me pose d'autres questions, je me méfie toujours. Puis à la fin, il me dit oh, c'est dommage, je pensais que c'était mieux que ça. Moi, je suis passionné de drone, je rêve d'en avoir un. J'ai brisé tous ses rêves. Désolé, portique de sécurité, man. Tu m'as fait peur, en même temps, t'es agent de sécurité, tu me poses des questions méfiantes sur mes équipements. Putain, on avait des petits écrans de télé, frangin. Et donc, ici, que je vais te trouver pendant 12 heures. On se retrouve tout à l'heure, frangin. Putain, il fait chaleur, frangin. Faut que je trouve mon abonné Nico. Oh là là, ils sont là. Bonjour Nico. Salut, ça va? Tu fais la bise? Ouais. Salut. Enchanté. Clairement pas dans le même accoutrement, hein. Oh putain, non mais non. Oh là là. Voilà comment on a accueilli la Réunion. Oh, c'est glacé en plus, c'est génial. C'est bon, oh, le caméraman, quoi. Il y a des caméras à voir. T'es infirmier, tu m'as dit? Oui. On a fait un t-shirt, t'es pas caméraman. Là, on va se poser la question. Si. Je pue par contre. Ah, c'est pas grave. Son odeur corporelle physique est immonde. C'est normal. Quel temps il fait chez vous, les petits potes? On vient d'arriver chez Nico et Sophie. Observe comme c'est charmant. Il fait une chaleur. J'allais dire torrentielle, mais ça ne correspond à rien. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est la petite chambre. C'est ici que les araignées viendront dévorer, tu vois. Cet endroit-là, là. Elles viendront juste sur la tête comme ça. Voilà, comme c'est. Elles se cacheront. D'ailleurs, lève le drap, vas-y. Ajuste tout. Hein. Parce que Sophie est prof de fitness. Et de la passion. D'accord. Et vous devez être en paix, non? Bon, oui. C'est surtout depuis qu'on est vegan. Et juste titre. Tu as bien raison, frangin. À la Réunion, c'est facile, mec. C'est vrai? Non, on m'a dit. Il y a tout qui pousse tout le long de l'année. T'as des tomates de janvier à décembre. Tu vois, tout est local. Ouais, mais au niveau protéines. Parce que moi, je suis shredded, tu vois. Je suis un très gros boug. Ouais? Je suis pas shredded? Il est bien. Ça, c'est shredded. Oh putain, il y a la veine. Il y a des gens qui m'ont dit oh, je suis curieux de voir comment tu vas faire pour être vegan là-bas. Ils me voyaient déjà échoué, tu vois. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, toutes les activités tu pourras choisir. C'est trop stylé, quoi. Parapente, canyoning, catamaran, mon petit pote. C'est des choses, on ne sait pas ce que c'est, tu comprends?
je commence déjà à me faire dévorer par les moustiques. Il y a Sophie qui va préparer un répulsif à base d'amandes, je crois. Faisons la réunion besoin. Nous, on est ici. Ok. Tu as atterri ici. Toutes les plages pour baigner ses fesses, c'est de là. Jusque là, à peu près. Et ici, il n'y a pas de plage pour se baigner. Il y a des bassins artificiels. Ici, le volcan avec toute la côte sauvage. Ici, le sud sauvage. Okay. Volcan qui est en éruption depuis hier matin. Depuis hier matin. Ouais. Il s'est dit, il y a blouson qui arrive. Évidemment, ça va péter. Tu pars, moi je déchaîne les éléments. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ça me fait penser aux pubs, là, tu sais, les pubs de Emmanuel Friedenreich. Le mec, voilà, je suis dans ma villa, la Réunion. J'ai la Maserati dans le garage, voilà. Je suis devenu riche en seulement un mois en ayant totalement changé d'état d'esprit. Je peux vous vendre ce programme pour avoir le même état d'esprit que moi pour 30 euros. Fini ton Open Dreamy voyage. Salut ça mon petit pote. Around the world, Open Dream going global. Apparemment cet après-midi on va aller à la plage. Pour ceux qui m'avaient envoyé un mail auquel j'avais pas répondu parce que vous étiez plusieurs et tout, il y a beaucoup de mails, tu comprends. N'hésitez pas à en renvoyer, hein, je le prendrai pas mal. Là je suis sur place pour 11 jours, donc vous avez le temps de me dire et on se voit. Et comme ça, le plaisir est présent. Je sais pas ce qui vient de se passer, ça s'est mis à pleuvoir instantanément quoi. Mais regarde ça, c'est déjà une piscine le bail. Les tropiques quoi. As-tu déjà vu pareil calomnie, frangin? Moi j'en ai vu des calomnies, mais des comme ça, jamais. Le petit bar est fermé apparemment. Oui, effectivement. Nico voulait une petite binouze. C'est pas bien grave. On va s'asseoir dessus. Là pour ce vlog parce que c'est déjà bien, on a plein de plans et tout et tout. Et regarde, on va se prendre un petit rhum arrangé là fait par Nico lui-même et Sophie, j'imagine. Tout à fait, travail d'équipe, teamwork, tu connais. Donc, moi je vais me prendre un truc au noyau de Bibas. Apparemment, c'est un goût d'amande. Ouais. On va tester ça. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux voir la suite de mes aventures à la Réunion, j'y suis pour 10 jours. Il te suffit de t'abonner, ça devrait aller quand même. Hein. Moi, je te dis à demain. Salut, frère.